Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous recevons Antoine Bonnet. Bonjour Antoine. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir, d'autant plus que tu es romancier. Habituellement, nous recevons, nous avions eu une seule fois un romancier qui était Romain Guérin. Donc tu nous viens pour deux romans qui sont Fiston et AFK, paru aux éditions du Verbe EO, Verbe EO, c'est ça, qui sont les éditions de Sylvain Durin. Alors, je vais faire un petit propos, même deux propos avant toute chose, et puis après, on se lance. Le premier, concernant le Tipeee, je vous remercie infiniment tous pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit nom de temps à autre. Deuxième chose, c'est pour la chaîne Odyssée. La chaîne Odyssée existe. Nous sommes à un peu plus de 600 abonnés. Il faut qu'elle grossisse parce que demain, YouTube, bon, peut nous jouer un mauvais tour. Il y a déjà eu la chaîne de Strategica qui a été strikée alors qu'elle n'avait que deux vidéos qui traînaient. Et donc, elle n'était pas du tout active et ils l'ont coulée. Ça peut nous arriver. On tient quand même des propos assez pimentés relativement souvent. Donc, vous retrouvez la même émission sur Odyssée. Le lien Odyssée sera sous la vidéo, donc dans la description. N'hésitez pas à aller dessus. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais, tu es romancier, un jeune romancier. J'apprécie beaucoup. D'autant plus que le roman, bon, dans le milieu, c'est pas quelque chose qui est courant. Et je dirais... que le roman est quelque chose qui est témoin d'une époque ou d'une époque passée et qui peut permettre aussi de s'émanciper. Il n'y a pas que les essais et les pamphlets. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta démarche de romancier? Pourquoi du roman? Pourquoi n'as-tu pas écrit des essais ou même voir un pamphlet? Je m'explique, car il y a des touches pamphlétaires dans tes deux romans. Donc, pourquoi du roman? Eh bien, en fait, j'ai toujours écrit depuis que je suis gamin, et le pamphlet m'intéresse, mais je pense pour l'instant, j'ai pas encore, j'ai 28 ans, donc j'ai pas la prétention d'être pamphlétaire pour l'instant. Ça viendra peut-être plus tard quand j'aurai plus lu et plus roulé ma bosse, mais en fait, je voulais avant tout écrire des histoires, tout simplement. Donc, Fiston et AFK, c'est pas des livres moralistes, c'est des livres qui font réfléchir. Après, j'en profite pour glisser quelques petites touches comme ça, parce que on va dire mes maîtres en termes de style, ça va être des personnes comme Léon Blois, Louis Ferdinand Céline, Calafert aussi, pas mal, ou dans un autre niveau, des gars comme comment il s'appelle celui qui a écrit la Conjuration des imbéciles Oui, actuaire, je l'ai pas en fait. Kennedy Toole. Et du coup, ces auteurs-là, bon, il y en a certains qui ont écrit des pamphlets, mais ils ont un style déjà un peu pamphlétaire, flamboyant de base. Et du coup, j'ai intégré ce style-là dans le fait de raconter des histoires, parce que je pense que pour moi, c'est plus naturel de raconter une histoire qu'un pamphlet en soi. Et je pense pour écrire un pamphlet, il faut avant tout avoir. Enfin, il y a aussi la question de où on parle, quoi. Moi, du haut de mes 28 ans, pour l'instant, je sais pas, je vais pas faire le révolutionnaire. Donc, d'abord, j'écris des romans et j'ai des projets de pamphlets sur le très long terme, mais ça viendra avec le temps, quoi. Voilà. Donc, ça vient à maturité, comme on peut dire. Non pas à l'âge, voilà, mais à maturité de pensée. Ça évolue. C'est ça. Alors, le tout premier que tu as écrit est donc Fiston. Je crois que tu l'as écrit, tu me disais tout à l'heure, 2017-2018, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai fini l'écrit en 2017. Il est paru quelle année, du coup? 2020. Récemment. Donc, c'est un roman qui se lit vite et bien. Hein. Alors, ce qu'on pourrait dire, donc, c'est Charles Prochain, c'est le nom de ton héros. Donc, qui est un homme usé par le monde moderne et qui raconte sa vie à son fils. Cet homme est à l'image du film de Gaspard Noé, Seul contre tous. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est ça. Oui, beaucoup. C'était beaucoup une référence, en fait, à ce,
En fait, à la base, j'écrivais un peu de la science-fiction dans des mondes un peu, on va dire, fantastiques. Et il y a eu deux déclics qui ont fait que j'ai écrit dans ce style-là. C'est quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, je me suis dit, ah ouais, en fait, on peut écrire comme ça, quoi. Vraiment, ça m'a. Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça m'a Non, vraiment mais mis une claque. c'est une révélation, Et... Céline, pour toute Ouais, c'est personne qui ça. commence à le lire. Vraiment. Et en plus, j'avais bien. À l'époque, le film Seul contre tous de Gaspard Noé m'avait vraiment marqué, notamment par le côté. En fait, je trouve que c'est un petit peu littéral parce qu'il y a, y a beaucoup de. Il y a une voix off comme ça qui. Enfin, sa voix du personnage, mais Je qui parle pas. raconte l'histoire au fur et à mesure, un peu comme si, voilà, c'était un roman. Enfin, il y a un côté un petit peu cette fibre-là. Et j'aimais bien ce personnage, justement, usé, désabusé par la vie. Et je me suis dit. Et dans ma tête, j'ai gardé cette idée. Je me suis dit, ah, ça serait marrant que j'écrive une histoire un peu comme ça. Du gros golo énervé, comme j'ai un petit peu ce côté-là, j'ai commencé à écrire comme ça un peu au hasard un beau matin et au fur et à mesure une histoire s'est construite et j'ai rajouté d'autres choses et ça a fait fiston. Mais oui, Gaspard Noé et Seul contre tous, ouais, c'est une énorme référence. C'est un peu le Seul contre tous version sudiste quoi, voilà. Et dans une autre époque quoi, en 2000, ouais, 2017 quoi, ça se passe. Oui, Seul contre tous, je me souviens, j'étais un de la première, des premières heures de Gaspard Noé, donc c'était Carnet qui était un moyen métrage et qui faisait Seul contre tous faisait suite. J'étais le Oui, c'est voir ça, il y a avec, eu trois, il est c'est dans ça. trois films, je crois, au Il est final. sorti en 99. J'avais été le voir, il y avait que deux cinémas qui le projetaient à Paris. On était trois dans la salle. C'était violent quand même parce que le film, tu ressors, t'es sidéré, déprimé à la fois. Ouais, c'est pas un film, je pense qu'il faut voir quand on est déjà au chômage ou on est passé une journée un peu Ah pourrie, non, quoi. non, 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 c'est et puis artistiquement parlant, enfin visuellement parlant, c'était vraiment un traitement de l'image qui était hors norme avec ces coups de pistolet, t'entends paf, et puis tu changeais de plan, et toujours ce type qui marche, qui était Philippe Naron, qui est décédé il n'y a pas longtemps aux allures de Gabin un peu, hein, il a C'est ses allures ça. de Gabin, de Gaulois réfractaire. Hein. Ouais, l'acteur fait beaucoup, hein, l'acteur fait beaucoup. Ouais, et qu'on retrouvait aussi dans son film qui était Irréversible. Tout ça, j'ai beaucoup moins aimé d'ailleurs. C'est difficile à aimer ce film. Ouais, ça a rien à voir. Alors, ton héros, il a aussi un côté un peu Alain Delon du peuple, si l'on peut dire, parce que bon, Delon, quand on l'entend parler ces derniers temps, il le dit lui-même, hein, il hait profondément cette époque, il la déteste profondément. Il ne la comprend pas. On le voit même souvent, tu sais, quand on lui projette des extraits de ses anciens films, il voit ses anciens partenaires, que ce soit féminin ou masculin, et tu le vois avec la larme à l'œil. Il ne comprend pas, ça a été trop vite. Même pour nous, à mon avis, ça va beaucoup trop vite, et je pense qu'on sera certainement des vieux cons, si Ouais, on peut c'est ça. dire. Moi, je vois déjà à 28 ans, le temps s'est accéléré, quoi. J'en parle justement dans mon livre AFK. Entre les années, par exemple, 2010 et 2020, c'est comme si c'était passé autant de temps qu'entre 90 et 2010. Enfin, le temps s'accélère et la société qui fait que tous les jours, il y a un nouveau truc, bah, ça aide pas, quoi. Les modes, les mentalités évoluent super vite, quoi. Alors c'est aussi une espèce de voyage, comme on dit, tu sais, comme les road movies. J'aime pas employer des anglicismes, mais c'est un peu comme ça. Donc ton personnage, voilà, va faire des rencontres. Il fait de l'autostop à un moment. Il rencontre un type qui est, je crois, pro-LGBT, s'il me semble, ce genre de Oui, choses. c'est ça, oui. Il fait la morale. Il y a un peu un clash entre eux. C'est compartimenté comme ça. Il y a des rencontres qui se font et qui comment dirais-je? On rencontre un peu des têtes de l'hydre du mondialisme. Oui, tu voulais Oui, dire. en fait, je me suis amusé à non pas faire des stéréotypes, mais essayer de faire des d'office, faire un peu des archétypes, quoi. Et que c'est le personnage rencontre des archétypes de personnes, de personnages qui représentent une partie de la population, quoi. Sans essayer de tomber dans les clichés non plus à deux balles. Mais du coup, je me suis amusé avec le fait du stop parce que quand on est pris en stop, bah, on est coincé, quoi. On est obligé. C'est pas comme dans la rue où sur où on peut se barrer, fuir, ou sur Twitter où on peut supprimer.
la personne avec qui on n'est pas d'accord, quoi. Là, on est coincé à 110 sur une autoroute, bon, bah, on est obligé de s'écouter, quoi. Donc, je trouvais ça marrant de faire des conversations dans ce contexte-là, quoi. Les dialogues aussi sont assez pertinents, il y a un langage assez cru. Alors, Sylvain Durin, d'ailleurs, on reparlera ensuite de votre rencontre, Sylvain Durin parle de un petit peu côté Audiard, je ne le vois pas comme Audiard, mais je le vois vraiment parce que tu es quand même dans l'air du temps, tu parles avec un langage qui est contemporain, hein, même s'il est un peu abrupt, donc c'est mis au goût du jour. Audiard, quand même, il a inventé un langage, parce que les gens ne parlent pas la Audiard, il s'est inspiré des gens, il a créé son propre langage, un langage qui est cinématographique, même dans les quelques romans d'Audiard, on n'a pas ce type de jargonnage. Et je ne pense pas que ça soit de l'Audiard, mais c'est représentatif d'un parler contemporain. Attention, ce n'est pas du verlan ou du langage de racaille ou du langage 2.0, vous savez, avec des LOL ou des MDR ou ce genre de choses. Il ne s'agit pas de cela. Hein. De toute façon, le type n'a pas cet âge-là. Hein. Il a à peu près quel âge, Charles Prochain? Charles Prochain, il a 30, ouais, 30, 35 ans à peu près. 35 ans, ouais. Et là, Il est né en 84, ouais, voilà. voilà, c'est pas anodin. Ouais, j'ai fait ça exprès. Ouais. Du coup, voilà, cette façon de vouloir écrire avec un langage abrupt, tu sais, comme on peut le faire un peu Albert Simonin, encore Albert Simonin, lui, il enrobait énormément ses phrases. Ou Alphonse Boudard aussi, Alphonse Boudard, qui était dans l'argot de son époque. Mais qu'est-ce qui t'a influencé là-dessus? C'est des gens comme Céline, tu t'es dit que tu pouvais écrire comme ça, mais avec une façon, enfin, avec une touche de l'époque, comment ça t'est venu? Bah en fait, je voulais justement faire un personnage un peu gaulois, un peu populaire, donc je le voyais pas. Comme en fait, l'histoire est racontée à la première personne au présent, il y a des moments, en fait, il parle, c'est comme s'il parlait à voix haute, mais du coup, même en dehors des dialogues, il va parler un peu comme ça, de manière, on va dire, populaire et gauloise. Et ça collait beaucoup plus avec le personnage qui parle comme ça. Et du coup, en fait, j'ai eu un peu en lisant par exemple des gars comme Céline, cette révélation de ah ouais, on peut écrire de cette manière, mais je l'ai adapté bien sûr à notre époque et j'ai employé des mots, des expressions, des tocs de langage de gens de ma génération à peu près, quoi, parce qu'il fallait que ça colotait. Mais s'il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est comment dire, l'écrivain bourgeois qui a jamais vu d'ouvrier de sa vie et qui Oui, du coup surjoue le verlan et le machin et qui emploie des mots qu'on n'utilise jamais en fait au quotidien. Donc voilà, j'ai juste fait quelque chose de réaliste, quoi, sans trop non plus forcer, quoi. Parce qu'il y a des moments, voilà, c'est pas parce que c'est un gars du peuple qu'il a 10 mots dans son vocabulaire, quoi. Il peut employer aussi des mots un peu plus sophistiqués, mais ça dépend, quoi. alors quand même, l'histoire, elle est un peu sombre. Hein. C'est vrai que c'est assez cinématographique, hein, je le répète. Ah, c'est assez visuel, ouais. Ouais, c'est assez visuel, donc la description, je pense la description qui ne va pas forcément dans un détail extravagant, mais plus, c'est très succinct. Ouais, je te dirai un petit peu à Simenon, où il posait le décor, ses personnages, une psychologie, et puis on avance progressivement comme ça. Donc voilà, on a ce côté cinématographique. Il y a des allures à des moments, je ne sais pas si tu as lu Albert Simonin. Non, pas du tout, pas Donc encore, non. c'est le papa des tontons flingueurs, touchez pas au Grisby, D'accord. Dormez au Grisby. Bon, il y avait aussi L'élégant, qui est un titre qui pourrait certainement te plaire, où c'était un type qui était en prison, qui a fait 20 ans de cabane, donc qui ressort, sauf que l'époque a changé. Et le type, il s'habille toujours 20 ans en À arrière. l'ancienne, ouais. Il a toujours la mentalité à l'ancienne avec les voyous et la façon de parler aux femmes, ce genre de choses. Il va tomber sur le désagrément. Et puis, bon, Simonin, il écrit avec le langage de l'époque, vu qu'il a beaucoup fait du dialogue et puis des adaptations de ses propres romans et de scénarios et d'autres romans au cinéma. Donc, c'est des contemporains d'Audiard, René Fallet, ce genre de personnes. Ça m'a fait penser à des moments à cela parce que tu enrobes quand même proprement tes mots, tes phrases, en y insérant ce langage que l'on disait à l'instant contemporain, ces tocs de langage.
Donc, c'est vraiment appréciable. Voilà pour ce qui est de Fiston. Si tu voulais rajouter quelque chose sur Fiston, n'hésite pas. Oui, si ça me viendra, je rajouterai. Mais là, non. Ensuite, on a ton second roman, AFK, toujours aux éditions Verbe Haut, qui est paru là, il y a récemment. Hein. Ouais, il y a un mois et demi maintenant, un truc comme ça. Je te remercie d'ailleurs pour les deux livres. Hein. Avec plaisir. Hein. Aux belles dédicaces, à chaque fois. Ça fait toujours plaisir. Alors, AFK, qui sont les initiales d'Alexandre Ferdinand Kelly, donc, qui est un gamer, donc un gamer pour ceux qui sont pas anglophiles, anglophones, c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, mais sans limite, on va dire. Il s'enferme dans son monde virtuel, il ne fait que ça, et toute son existence, même sociale, et au travers des jeux en réseau, beaucoup. Donc, c'est un gamer qui est sur la touche, hein, qui passe son existence à jouer aux jeux vidéo. Il vit seul avec sa mère, une mère qui se veut proche, mais qui est relativement laxiste avec lui. Elle le laisse faire. Peut-être elle ne veut pas rentrer en conflit avec lui. Elle doit aimer son fils, mais comme elle ne veut pas rentrer en conflit, elle essaie de le garder proche d'elle pour ne pas se retrouver seul, vu qu'il vit seul avec elle. Et peut-être en étant laxiste et en faisant ces concessions-là, ben, ça se passe plus ou moins bien sans qu'ils se rencontrent. Et AFK, donc Alexandre Ferdinand Kelly, écrit aussi des poèmes, et des poèmes à la gloire de son jeu vidéo favori, préféré. Et on a dans ton roman ces poèmes. C'est ça, ouais, il y en a quatre et ils ouvrent chacun un chapitre, une des quatre parties du livre. Voilà, que l'on voit même avec une petite... comme des petits pads, comme des manettes de jeu. Donc, je ne sais pas si c'est un petit paddle que l'on voit comme ça. Oui, un peu, ouais. Donc, qui fait référence aux jeux vidéo et qui dit que là... Parce que là, voilà, au début, c'est quoi? C'est... comme sorte de descriptif de ce qui est en train de se passer dans son jeu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis après, on arrive dans sa vraie vie. Donc, tu as une partie virtuelle et une partie sur la vraie vie. Donc, c'est un roman aussi qui est sombre, hein. À sa façon. C'est un peu différent parce que pour Fiston, la fin, bon, on ne va pas la raconter, hein, elle est quand même... je tombais assez de haut. Hein. C'est arrivé à bien surprendre avec la fin. C'est vraiment bon. Puis ça va dans... Juste, je dirais que ça va dans la démarche de la maison d'édition. Donc, comme je disais, c'est un roman sombre, hein, qui est un peu le reflet d'une génération contemporaine, donc à la nôtre, hein, donc qui est désabusé, sans objectif, et qui vit au jour le jour. Alors, comment ça t'est venu d'écrire AFK ? AFK, ça fait longtemps. En fait, moi, comme j'écris tous les jours, j'ai toujours un petit... des 15-20 histoires que j'ai commencé, mais je ne sais pas où ça me menait, donc je les garde comme ça dans un coin. Et j'ai été pendant longtemps un gros gamer, justement, donc c'est assez autobiographique l'histoire. C'est ça, ouais. C'était aussi une introspection sur moi-même. Et en fait, je me suis dit, ça serait marrant d'écrire une histoire, justement, qui tourne autour des jeux vidéo un jour, mais je n'avais pas trop... Enfin, j'avais commencé comme ça, mais il manquait une colonne vertébrale, j'avais pas trouvé. En gros, pour que j'écrive, il faut que je trouve le début, la fin et la ligne directrice, quoi. Et en fait, je l'ai trouvé quand il y a eu le premier confinement, parce que moi, du coup, je me suis retrouvé confiné à mon travail, parce que j'étais éducateur à l'époque, et du coup, j'ai moins travaillé que d'habitude. Je travaillais plus que, j'en sais rien moi, 45 heures au lieu de 70, et du coup j'avais plus de temps pour écrire. Et comme on était confiné, j'ai cherché un peu, j'avais envie d'écrire, donc j'ai cherché un peu mes vieux manuscrits comme ça qui traînaient. Parce que du coup, à cette époque-là, Fiston venait de sortir, et du coup, comme j'en ai eu plutôt des bons retours, ça m'a donné un coup de boost, ça m'a donné envie de continuer. Et j'ai retrouvé le début de cette histoire, et je me suis dit, ah, ça serait marrant d'écrire une histoire là-dessus, et j'ai eu un peu le déclic. Où en fait je me suis dit, je vais faire ça, je vais créer l'histoire d'un gars qui depuis des années est confiné chez lui
justement, il tourne en rond, il fait rien, il est vraiment dans un espèce de. Dans un circuit fermé, quoi. Il s'auto-réalimente dans sa vie et sa vie n'avance pas plus que ça. Et au moment où tout le monde. Et je vais écrire l'histoire au moment où tout le monde est confiné. Et au moment où tout le monde est confiné, lui, il va avoir une révélation. Enfin, il va se passer quelque chose dans son quotidien qui va casser sa routine. Et du coup, il va se déconfiner, enfin, son esprit surtout. Et il va se déconfiner au moment où tout le monde se confine. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça pourrait être marrant, la dialectique entre les deux. Et là, bah, après, j'ai commencé à écrire, je sais pas, en quelques mois, j'ai écrit, quoi. Et je me suis amusé. En fait, c'est un personnage, je l'emploie pas mal, l'image comment dire, des Madeleines de Proust. Et c'est un peu ce gars-là qui est. Vachement dans la nostalgie, dans la mélancolie, et qui est un peu en mode c'était mieux avant et tout, et qui repense vraiment à son. C'est un peu comme des personnages comme, je sais pas, le film Tanguy, les trucs comme ça, les personnes en fait qui veulent pas grandir, quoi, les adolescents, comme on appelle ça. Il y en a beaucoup maintenant. C'est ça. Et bah, moi, j'ai été un peu comme ça à une époque, donc je me suis fait un peu la réflexion de qu'est-ce qui mène à ça, pourquoi, machin. Et à un moment, ouais, je sais plus, j'emploie, ouais, c'était quand il parle du collège, tout ça, il dit, ouais, c'était l'époque où il n'y avait que 3 vaccins obligatoires et il n'y avait pas eu d'attentat. Enfin, c'était notre époque, vraiment. Il y a eu, moi qui grandis, je suis né en 93, donc qui grandis, voilà, dans les années 2000, en gros, j'étais au collège et tout. Il y a vraiment eu un avant, un après, même avant-après, 11 septembre et tout. C'est pas des trucs quand on est ado dont on se rend compte tout de suite en réalité. Mais ça vraiment, ouais, est-ce qu'il y a eu l'an septembre, ça a changé énormément de choses. Après, on est passé à l'euro, ça a changé énormément de choses. En fait, les choses se sont accélérées et on est rentré dans le dur, quoi, tout simplement, quoi. Et ça parle un peu de ça et d'un gars qui est bloqué, qui veut pas quitter cette époque, quoi, d'une certaine manière. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il y a d'autres raisons qui sont expliquées dans le livre. Mais du coup, c'est un gars, ouais, pour lui, le monde dans lequel il vit n'a aucun sens, en fait. Et du coup, il préfère se fuir. Mais d'un côté, en fait, ça le rassure d'être dans ce monde un peu clos, fermé de jeux vidéo avec ses potes, parce qu'il a quand même des amis, mais c'est juste des amis avec qui il joue, même si c'est des amis proches, c'est pas des gens qu'il côtoie comme ça au quotidien, quoi. Et aussi, j'ai fait géographiquement, cette histoire se passe un peu dans une cité, et je me suis amusé, pareil, j'aime bien faire des parallèles, des miroirs, et je me suis amusé à faire un peu le parallèle où dans cette cité, voilà, il y a les gars qui traînent en bas du bloc, qui font rien, qui fument et qui boivent des canettes et qui attendent que le temps passe. Et lui, c'est pareil, mais dans sa chambre, en fait. Il fait la même chose, mais il est à l'intérieur. Et il y a une scène où, à un moment, il sort de sa tour parce que sa mère lui a demandé d'aller faire des courses. Donc voilà, il traîne des pieds comme ça. Et il se dit, bon, au moins cette semaine, je serai sorti une fois. Et il croise un gars dans le hall d'immeuble qui est en train de fumer comme ça. Et en fait, les deux, ils se parlent pas, ils se calculent pas parce que. J'écris, il y en a un, il fait partie des murs et lui, il fait partie des fantômes, quoi. C'est comme si ils sont dans un monde où ils n'existent pas, en fait. Voilà. On parlait de la partie autobiographique. Toi, tu étais aussi un gamer comme ça, tu jouais énormément, tu étais renfermé sur toi-même ou... Ouais, j'étais pas renfermé à ce point, mais ouais, je jouais pas mal à une époque. Et d'ailleurs, c'est pour ça je me suis amusé, enfin amusé, façon de parler. J'ai aussi expliqué que le jeu vidéo, en fait, c'est juste un symptôme d'une société. Ça peut être bon ou mauvais. Moi, ça m'a ouvert mon imagination. Je me suis fait plein de potes, mais d'un autre côté, voilà, ça m'a. Il y a des moments, ça m'a enfermé comme ça, parce qu'il y a des moments, on n'a pas envie de sortir, on reste chez soi tranquille, on joue et puis voilà. Mais j'ai parlé aussi des, en fait, que c'est le symptôme d'une société, quoi. C'est pas pire que les gens. Maintenant, c'est plus Netflix. C'est les gens qui vont rester devant un écran comme ça. Ils n'ont même pas une manette où ils interagissent avec des gens. Juste, ils s'assoient dans leur canapé, ils font play et puis voilà. Ils prennent un paquet de chips, ils commandent Uber Eats et puis ils restent là des fois jusqu'à 3 heures du matin devant un écran, quoi. Donc, en soi, c'est.
c'est un symptôme d'une société. Moi, à un moment, justement, j'ai arrêté de jouer un peu aux jeux vidéo à cause de ça, mais aussi parce que, en fait, c'est tout bête, mais le monde du jeu vidéo a été rattrapé par le capital avec un grand C. C'est devenu un business où maintenant, c'est des énormes multinationales. Au début, le jeu vidéo, c'était un monde plus de passionnés. Il y avait un côté un peu plus artisanal, on va dire. Maintenant, c'est des grosses boîtes de milliers d'employés qui sont, j'en sais rien moi, au Québec ou au Canada parce que la précarité de l'emploi fait qu'ils peuvent payer les gens au lance-pierre. Les sociétés, elles sont basées aux Bermudes. Ils sont cotés au CAC 40 et puis ils ont maintenant les mêmes stratégies que des grosses entreprises où ils vont vendre des jeux en kit où il y a un jeu qui vaut 50 euros. Après, pour finir, il faut acheter un autre truc qui vaut 20 euros, tout ça. Et en fait, il y en a qui ont trouvé le bon filon parce que créer. Ça me rappelle un peu un truc que j'avais lu dans le livre Sociologie du gamer qui parle un peu de ça. Où, ouais, c'est ça, qui est assez intéressant là-dessus pour ceux que ça intéresse. Où en fait, les gens se sont rendus compte que, bah, et même avec les micro-paiements et tout, en fait, on peut vendre des pixels, tout simplement. C'est pas quelque chose de concret, c'est pas une banane, c'est pas une voiture, c'est pas un écran de télé. On vend juste des pixels. Donc en fait, les possibilités de se faire de la thune sont infinies. Et du coup, il y a tout plein de rapaces comme ça qui sont arrivés, qui ont phagocyté ce monde-là, qui était un monde assez beau en fait d'imagination, d'imaginaire, un peu comme était à une époque, je sais pas, le monde de l'écriture ou le monde du cinéma au début, et après, bah, ça a été rattrapé par l'argent, et maintenant ça fait partie du système, quoi. Avec tout ce que ça implique en termes d'idéologie aussi, quoi, parce que maintenant, la liberté d'expression aussi dans les jeux vidéo est beaucoup moindre maintenant, où maintenant on a des jeux vidéo qui sont totalement lissés, enfin voilà, c'est ridicule quoi. Où ça va être des trucs où c'est des vikings qui s'entretuent, mais on va faire attention que, je sais pas, on blesse pas les personnes transgenres, enfin franchement c'est débile quoi. Mais voilà, après le monde du jeu vidéo a beaucoup évolué là-dessus et maintenant c'est intégré au système et je pense que. Avec tout ce qui est confinement, machin, tout ça, c'est comme les services de vidéo à la demande et tout. En fait, c'est maintenant il y a une explosion énorme des bénéfices à faire là-dedans. Donc, ça attire de plus en plus de gens en fait qui veulent juste faire de l'argent et du coup, ouais, malheureusement, c'est plus pareil comme monde par rapport à avant, quoi. Sinon, qu'est-ce qui a été le déclic chez toi à un moment où, est-ce que ça a été une lecture? Est-ce que ça a été quelqu'un que tu as écouté sur Internet qui a fait que tu as commencé à réfléchir? C'était lié aussi à ton tempérament, certainement, parce qu'on est tous un tempérament assez indocile, si on peut dire, tous les gens qui essayent un petit peu de chercher des vérités à droite et à gauche. Quel a été le déclic pour toi et vers quel âge? Pour AFK ou de manière générale? Non, non, de manière générale, en tant que conscience politique, si on peut dire. Bon, en fait, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, je me suis toujours intéressé à tout. Et justement, quand j'ai un peu arrêté de jouer aux jeux vidéo, tout ça, bah, j'avais des heures de libre par jour qu'il fallait que je remplisse, quoi. Et en fait, j'étais un gros lecteur quand j'étais ado. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien que je me remette un peu à lire et tout. Et j'avais cette envie de. Justement, comme entre-temps, je m'étais mis à écrire, j'avais envie de lire, tout simplement, de relire. Et je me suis mis à lire. Enfin, voilà, j'ai littéralement, je bouffais des livres, quoi. Je lisais 100, 150 pages par jour, un moment, pendant 1 ou 2 ans, peut-être. Et du coup, bah, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et je me souviens. Après, il y a aussi Internet, beaucoup, parce que je traînais beaucoup sur Internet, comme pas mal de jeunes, je pense. Et c'est vrai que c'était un bon moyen, en fait, de se réinformer sur pas mal de choses. Surtout que maintenant, les choses sont beaucoup plus cadrées, plus censurées. On le voit notamment avec YouTube. Mais il y a 10 ans, c'était pas ça du tout, quoi.
On pouvait vraiment trouver tout et n'importe quoi, pas censuré, des trucs à des millions de vues qui aujourd'hui iraient direct en procès ou seraient censurés au bout de 12 heures. Et enfin, y avait vraiment ce côté information un peu libre. Bon, après, c'est comme tout, hein, faut trier le bon grain et livrer. Mais du coup, ouais, en fait, j'ai pas eu de déclic comme ça en particulier. Peut-être à un moment, je me souviens, du coup, il y avait l'élection là, de Hollande, c'était qu'en 2012. Et du coup, moi, c'était la première élection en gros, où je pouvais voter. Et à l'époque, j'étais pas politisé, mais je m'intéressais de manière générale à tout ça, mais je sentais un petit peu la douille, quoi. Donc j'étais en mode, ouais, bon, pour moi, ils ont tous l'air de faire partie du système. Même le FN, déjà à l'époque, je m'en méfiais. Et je me suis dit, bon, je vais aller voter comme ça pour voir. Donc j'ai voté blanc. Et après, j'ai commencé à me poser des questions, tout ça. Et après, c'est venu ouais, petit à petit par Internet, où en fait, ouais, j'en parle un peu dans le fiston de l'alternance unique. Ouais, ouais bah, c'est bien beau, on a eu Hollande, mais qu'est-ce que ça changeait, quoi? Les gens ont voté pour lui pour dégager Sarkozy. Après, ils ont voté pour Macron pour dégager celui d'avant, et ainsi de suite. Et là, voilà, si bon, s'il se fait pas prendre un coup d'État avant, soit on va voter contre lui, machin, mais en fait, ça change rien. Ça change rien. Il n'y a qu'à voir le taux d'abstention et les gens, 2 mois après avoir voté, ils sont en mode oh là là, je regrette. Alors qu'il y en a, ils ont 60 balais, ils sont allés à 10 élections dans leur vie, mais ils font toujours, enfin, ils réagissent toujours pareil, quoi. Ça m'a toujours fait rire d'ailleurs. Donc moi, je préfère m'abstenir que de voter et regretter après. Enfin voilà. Puis ne pas voter, c'est ne pas reconnaître ce système aussi. C'est de se dire pourquoi faire perdurer toute la merde Ouais, c'est marchande, la ça. remettre sur pied, la penser, puis la refaire, enfin la continuer. Maintenant, c'est bon, il y en a marre. Faudrait qu'on passe à quelque chose. Francis Cousin est bien là-dedans pour en dénoncer un petit peu les tenants, les aboutissants. Justement, on est en ce moment en pleine période. Donc de manifestation contre le pass. Toi, tu es du Sud, on parlait, donc là, nous sommes le dimanche 1er août. Hein, l'entretien apparaîtra dans 10 jours lorsque vous l'écouterez. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais aux manifestations de Rouen. Toi, je ne sais pas si tu étais descendu. Je sais que dans ton secteur, c'était vers la promenade des Anglais, ce que m'avait dit Francis C'est Cousin. ça, Quelqu'un de garde-classe lui avait fait part que c'était énorme le cortège, faisait toute la promenade. On parlait plus de 10 000 personnes, même voire au-delà. Il paraît que c'est quelque chose de dingue. Alors que tu me disais tout à l'heure que la promenade des Anglais, c'est vraiment un lieu de vacanciers. ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, je pense, c'est que bah, on est en France, on est un pays latin et on est fin juillet. Donc normalement, il y a toujours une genre de trêve des confiseurs en été où bon on va à la plage et on reprend les manifestations en septembre quoi. Et là, non. Même la CGT normalement bon voilà ils vont prendre un peu le soleil quoi l'été et là non donc pour qu'il y ait autant de monde fin Historique, hein, quand même. juillet ouais c'est ça. Et moi en fait il y a aussi la sociologie des villes parce que bon à Paris c'est la capitale donc il y a toujours des Machin, oui. manifestations machin tout ça Tout se joue là-bas. mais c'est ça tout se joue là-bas. Mais en fait, il y a des villes, même par exemple comme Nice, je trouve que c'est pas forcément, c'est pas qu'il n'y a pas de contestation, mais c'est pas forcément une ville où il y a tout le temps, où il y a des grosses manifestations. Et quand il y a des manifestations, déjà, c'est une ville super sécuritaire, donc c'est toujours compliqué et tout, machin, pour avoir les autorisations. Et là, en fait, qu'il y a autant de monde dans des villes comme Nice, c'est bon signe. Et même, en fait, on voit, il y a des villes genre dont on n'entend jamais parler. Au quotidien, enfin, genre, il y a des manifestations à Pau, genre, je sais pas, à Brive-la-Gaillarde, quoi, il y a des milliers de gens. Ah Donc, oui. c'est très bon signe, quoi, c'est vraiment, même, aussi, on n'en parle pas trop parce que on en entend moins parler, mais même dans les dom-toms, quand on va à La Réunion, Martinique et tout, il y a eu des manifestations, enfin, il y avait encore plus de monde en termes de pourcentage qu'en métropole, quoi. Là-bas, c'était vraiment, ouais, il y avait personne chez soi, quoi. Tout le monde était dehors.
Et ouais, bon, après, mais c'est marrant d'ailleurs parce que ça a fait un peu comme à l'époque des Gilets jaunes. Je me souviens au moment où il y a eu où tout le monde était dans la rue, le président se barre en mode ouais, je dois aller voir les Japonais pour un contrat. Enfin, en gros, il fuit comme ça et il laisse aux manettes en gros le pouvoir policier en mode démerdez-vous, quoi. Là, il est parti, là, il vient de partir en vacances là 2 semaines. Sur l'île à Brégançon là, et à l'époque des Gilets jaunes c'était pareil, il y avait eu la même histoire, je me souviens. Il était allé au Brésil ou je sais plus quoi, Oui, je me souviens mais plus. ouais, mais moi je pense que ce qui fait la force de nos élites, c'est ce qui fait aussi leur faiblesse, parce que ils ont une incapacité chronique d'empathie. Du coup, ils sont incapables en fait de comprendre tout simplement les revendications, quoi. Du coup, c'est bien quand il s'agit de pas avoir de cœur et de dire bon bah arracher des mains et couper, enfin crever des yeux aux gens, on s'en fout. C'est pratique, mais en fait c'est une arme à double tranchant d'être quelqu'un de froid et glacial. Parce que là, en fait, je pense ils comprennent vraiment pas. C'est même pas du mépris, c'est juste ils comprennent pas, quoi. C'est vraiment quelque chose qui leur est étranger, quoi. C'est comme si on leur parlait en chinois, ils vont nous regarder, ils vont faire OK, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que ça va faire qu'augmenter, parce que à la rentrée en septembre, les gens vont rentrer de vacances. En plus, en septembre, il va y avoir la rentrée des classes. Donc ils veulent attaquer les enfants. Ouais, c'est ça, en fait, le plus grave, en fait, c'est les enfants. Moi, à la limite, je m'en fous, j'aime pas aller faire les courses, donc tant pis, je ferai des drives et moi, ça m'évitera d'acheter des trucs pourris à la caisse. Mais ouais, après, quand il s'agit des enfants, tout ça, là, c'est pas pareil. Parce que là, c'est beaucoup plus instinctif. Il n'y a pas de politique ou de oui, non, gauche, droite. C'est bah, voilà, c'est tes enfants, point, tu les défends. Et je pense que ouais, c'est ce qui va faire basculer. Il y a moyen que ça fasse basculer les choses, quoi. Parce que même dans les forces de l'ordre, même les commissaires, gendarmes, les hauts gradés et tout, eux aussi, ils ont des enfants. Donc, eux aussi, ils vont être concernés, en fait. Les seuls qui ne sont pas concernés, c'est nos élites qui, eux, n'ont pas d'enfants. Que ce soit les élites, républicaines comme Macron, Castex et tous ces mecs-là, mais même, voilà, les élites européennes, les trois quarts, il me semble qu'ils n'ont pas d'enfants, quoi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose auquel enfin, ils sont en train de passer à côté de ça, mais en fait, c'est ce qui va tout déclencher. Ça va faire comme dans les Gilets jaunes, où en fait, c'est juste une augmentation de taxes de 1 ou 0,1% qui va tout déclencher et ils vont être pris de force, quoi. Le point de rupture. Ouais, c'est ça. Toi, tu es optimiste quand même, parce que tu as une vision différente de la mienne. Je sais pas si tu as des enfants ou pas. Non, non, moi j'ai pas d'enfant, mais bon, bien sûr, j'ai cette fibre-là, mais comment dire, en fait, comme je suis éducateur, j'ai beaucoup travaillé notamment avec des personnes en situation de handicap, où là, il y a quelques mois, je travaillais avec des ados, du coup, qui étaient placés par la justice et tout, dans l'aide sociale à l'enfance. Et en vrai, ça me faisait de la peine pour eux, quoi, parce que c'est des gamins. Bon, voilà, ils sont pas faciles tous les jours, mais ils sont pas mauvais dans le fond, quoi. Et c'est des gamins, ils ont 14-15 ans. Ils passent leur journée avec des masques sur la tête. Il y a eu les confinements, les machins. Déjà, il y en a, ils ont des relations familiales compliquées. En plus, on leur rajoute ça. En fait, on ne se rend pas compte, je pense, de la violence qu'on fait, surtout aux plus jeunes et aux plus faibles. Pareil, quand je travaille avec des personnes qui avaient un handicap mental, bah, on ne se rend pas compte de la violence que c'est d'être entouré de gens avec des masques, avec des gens qui ont du mal à comprendre ce qu'on dit et qui lisent sur les lèvres, qui ont besoin de sourire tous les jours pour être heureux, tout ça. Et ouais, c'était horrible pour eux, vraiment. C'était une violence. En fait, on oublie trop souvent que la violence n'est pas forcément physique, quoi. Et je pense que là aussi, pareil avec nos anciens, par exemple, dans les EHPAD, tout ça,
C'est horrible ce qu'on leur fait subir, quoi. Moi, quand je vois qu'il y a des personnes âgées qui ont, je sais pas moi, 85 ans, qui déjà voient pas forcément leur famille souvent et qui là sont restés bloqués chez eux. La dernière fois, le dernier confinement, là, je passais devant un EHPAD. Enfin, c'était à la fois ridicule, mais ça faisait mal au cœur. En gros, ils avaient pris des photos, ils les avaient imprimées, ils les avaient accrochées comme ça sur les barrières. En mode comme ça, la famille passe devant et puis elle voit une photo de mamie ou machin. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais, c'est horrible. Moi, ça me fait flipper, quoi. Je Et trouve en ça même temps, vraiment horrible, quoi. c'est tellement symptomatique de l'époque, hein, en même temps. C'est Ah oui, c'est choquant, sûr. mais tu C'est dis, bon, sûr. oui, c'est tout à fait le type. Oui, après, faut aussi se remettre en question. C'est pas non plus toujours la faute des autres. Et comme dirait l'autre, voilà, ils sont grands que parce qu'on est à genoux, quoi. C'est aussi cette mentalité d'esclave qu'on a depuis un certain temps qui n'est pas accompagnée par le fait que la société très matérialiste dans laquelle on vit fait qu'on a tous une mentalité, même moi, hein, de petits bourgeois attachés à ses meubles, à son PC, à son machin. Du Et en fait, confort. voilà, on a trop peur en fait de perdre des trucs, d'aller en prison, qu'il y ait la police qui toque à la porte, tout ça. Et du coup, ouais, en fait, c'est toujours pareil, hein, il faut attendre que ça touche le frigo, les enfants, c'est les deux choses qui sont les facteurs qui changent tout, quoi. Après, moi personnellement, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste. D'ailleurs, j'en ai un peu marre de tous ces gens pessimistes qui font rien et qui, du coup, ça les arrange d'être pessimistes et que rien ne change. Comme ça, eux, ils sont contents d'avoir rien fait pour rien. Mais moi, je pense qu'il faut toujours garder espoir. De toute façon, il suffit de regarder l'histoire avant que les choses changent en bien. 2 semaines avant, c'était toujours le chaos de toute façon, quoi. Les choses, c'est toujours un peu comme ça, l'histoire. Donc, faut arrêter de croire qu'on va changer le monde avec des bisous et des pétitions sur Internet. Il y aura forcément de la casse, il y aura forcément du combat, il y aura forcément des gens qui se retrouveront en prison pour des raisons injustes, et c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Ce qui compte, c'est ce qu'on laissera à nos enfants, ou si on n'a pas d'enfants, aux futures générations. Et moi, je suis content le soir de pouvoir me regarder dans la glace et de me dire, bon, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Et bah, si ça change quelque chose, tant mieux, sinon tant pis. Mais justement, c'est le déclic qu'il y a dans AFK. J'ai pas envie de rester comme ça à rien faire et à attendre que le destin Ouais, voilà, d'être toque à ta porte. Parce que dans la vie, ça n'arrive jamais. Les gens qui croient que c'est comme dans les films hollywoodiens où ça fait 10 ans que tu t'es retiré de la vie et puis de la vie politique ou militaire et on vient toquer chez toi en mode bon, on a besoin d'aide, ça arrive jamais dans la vraie vie. Personne toque chez toi à part les témoins de Jéhovah ou le facteur, quoi. c'est ça. Ouais, faut Voilà. essayer d'être spectateur du désespoir, surtout, faut bouger. Et puis, c'est peut-être un service qu'ils nous rendent, hein, par la force des choses et un bien par un mal. Peut-être toutes ces choses qui vont nous confisquer, tout ce confort, tous ces 10 besoins qui sont liés au capital vont permettre un retour aux sources, un retour au savoir-faire, un retour au transcendantal aussi, c'est important. Parce que ce sont C'est ces ça, ouais. gens qui ont bousillé la transcendance, à qui on a donné notre confiance, enfin, et à travers beaucoup de générations, hein, on parle de ça sur plus de 2 siècles, et qui aujourd'hui nous la mettent bien profonde, si je peux m'exprimer ainsi. Donc oui, par la force des choses, bah, va falloir retourner, savoir planter, semer, planter, greffer sur quelque chose, savoir cuisiner, savoir parler aux autres, aller de l'avant, ne pas avoir peur, ne pas se sentir agressé quand quelqu'un nous salue. Toutes ces choses qu'ont connues nos grands-parents, peut-être toi tes arrière-grands-parents, vont peut-être revenir. Je suis comme toi, je suis optimiste, je suis persuadé de ça. Il y aura de la casse, c'est comme ça, pour tous ceux qui paieront, qui iront peut-être en prison, peut-être qui se feront ostraciser d'une certaine manière ou quoi que ce soit. Faut qu'ils aient bien une chose, tant qu'ils restent intègres avec ces idées-là et eux-mêmes, ils n'ont rien à se reprocher, ils ne sont pas des voyous, des violeurs ou des gens affreux. Et je pense que par rapport
à ce qui est décrété dans les lois divines. On peut se permettre certaines choses. S'il faut l'arracher, ben on l'arrachera, et puis c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Et justement, c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, je vois aussi quelque chose qui est important à voir, c'est le retour des Français de manière générale, hein, peu importe de quelles origines ils sont, mais à la spiritualité. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que les élites qui nous dirigent, pas les petits chefs, hein, ceux tout en haut, mais du coup ceux qui donnent le là, notamment bah, les mecs comme Klaus Schwab, pour prendre un exemple qui nous concerne, avec le Great Reset, eux, ils croient en quelque chose. C'est pas des matérialistes. Eux, ils croient en quelque chose. Eux, ils sont plus proches de Lucifer que de Dieu, mais ils ont une croyance. Et du coup, en fait, ce que les gens sont en train de comprendre, c'est qu'on peut pas on peut pas combattre une spiritualité avec un matérialisme. Ça n'a aucun sens. Et du coup, les gens sont en train de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et ça, j'ai vu ça. Ça a été amorcé par les Gilets jaunes et ça continue. Il y a Exactement. de plus en plus de gens qui s'intéressent à leur bah déjà à leurs ancêtres, à l'arbre généalogique, à la foi de leurs ancêtres, tout ça. Et moi notamment, j'en fais partie, parce que je me suis fait baptiser il y a un peu moins d'un an. Mais je vois de plus en plus de gens qui sont dans ce cas-là, et ça fait plaisir parce que c'est sincère, quoi. C'est sincère. Et je pense que malgré les débats qu'il peut y avoir, par exemple, entre les musulmans, les catholiques, tout ça, on peut se rejoindre sur certains points, Il y a convergence, notamment. je suis persuadé, il y a convergence. N'en déplaise à certains. Pour moi, je suis C'est persuadé, ça. il y a des gens de tous bords Notamment qui. sur la défense des enfants, par exemple. Les mœurs. Sur les Oui, mœurs. aussi. Bah, quand on voit. De toute façon, il suffit de regarder toutes les manifestations qui concernent, par exemple, le mariage pour tous, les trucs comme ça. C'est un point de ralliement. Et la stratégie en fait de nos élites, c'est l'horizontalisation, c'est-à-dire de tout mettre à niveau en bas et que tout le monde qu'on soit comme des piranhas ou un panier de crabes et qu'on se bouffe entre nous, en mode voilà, les blancs qui se battent contre les noirs, les musulmans contre les catholiques, les machins, les Les gros contre vaccinés les contre maigres, les les anti-vax femmes contre maintenant. les hommes. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, là, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est un retournement de situation, de leur stratégie. En fait, c'est un retour de flamme, c'est une contre-horizontalisation. C'est-à-dire que tout le monde, on est en train de se taper dessus et on se dit, mais en fait, le problème, c'est le mec là-bas, là, qui se fout de notre gueule depuis tout à l'heure. Et en fait, les gens sont en train les gens qui hier se battaient entre eux sont en train de fraterniser pour une raison très simple, c'est qu'avant il y avait un intermédiaire qui s'appelait les médias qui créait qui était un peu comme le commerçant à une époque, quoi, qui est vraiment la personne qui est un parasite qui sert d'intermédiaire qui n'amène rien mais qui va monter les gens les uns contre les autres parce que voilà, si c'est sanguinolent, s'il y a du clash, ça fait toujours du buzz et du buzz, ça fait de l'argent. Et comme les gens croient plus du tout dans les médias, peu importe d'où ils viennent en France, peu importe en quel Dieu ils croient, et ben ça fait que les gens se réinforment par Internet. Et du coup, c'est tout bête, mais avec les manifestations, ben, les gens, ils sont dans la même truc, donc ils savent qu'ils sont, ils marchent à côté, ils sont d'accord sur en gros, et du coup, ils commencent à discuter. C'est comme ça que se crée des relations, des amitiés, tout ça. Et au final, les gens, je trouve, deviennent de plus en plus nuancés et de moins en moins manichéens, quoi. Et au fur et à mesure que, en même temps que les gens du quotidien dans la vraie vie deviennent de moins en moins manichéens, ben, ça fait l'inverse se passe dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, maintenant, vous êtes contre ça ou pour ça, et il n'y a pas de. Enfin, les débats, comme on voyait, même moi, quand j'étais gamin, il y a 20 ans, c'est impossible d'avoir un point de vue nuancé, quoi. On vous invite sur un plateau, donc vous allez jouer le rôle de l'anti-vaccin, vous allez jouer le rôle du pro-vaccin, par exemple, pour prendre un exemple récent. Et il y a mais ce qu'on n'invitera jamais, c'est le gars qui a un point de vue un peu nuancé, qui va amener son propos, tout ça. C'est impossible, parce que maintenant, c'est de plus en plus saccadé.
Un gars, il va venir sur une émission, il va rester 4 heures, mais au final, au montage, on va l'entendre 3 minutes 20, quoi. Alors que dans la vraie vie, c'est différent. On a plus le temps de parler à quelqu'un sur un café qu'à un plateau télé, quoi. Alors, on est de culture contestataire en France. C'est vrai que la manifestation, ça fait partie des murs. C'est vrai que les Ouais, c'est ça, c'est normal, hein. manifestations, C'est comme aller acheter voilà. une baguette, hein. Là, comme elles le sont, c'est clair, on ne fera pas changer les choses. De cette façon-là, il va falloir qu'on aille arracher, prendre ce qui nous est dû. Sauf qu'elles ont une utilité. Comme tu disais, on est par-delà les clivages. Je vois bien, moi, en y allant dans les manifestations, je ne me pose pas la question si ce type-là, il est de gauche, il est de droite, Oui, on il est verra ça croyant, pas après, quoi. croyant, tu vois, il est maghrébin ou il n'est pas maghrébin, j'en ai rien à cirer. Dans le sens où il y a on sent que c'est quelque chose qui touche l'humanité même, là, hein, c'est vraiment l'humanité, ça ne touche pas juste parce que tu es catho, tu es musulman, ou juste parce que tu es noir, ou tu es arabe, ou tu es blanc, ou je ne sais trop quoi. Ça touche tout le Ouais, monde. c'est Hein. beaucoup plus Plus, profond, ouais. on va parler C'est ça. d'égalité, là, l'égalité, on l'a, mais sur un mauvais. Enfin, Pour eux, ouais, c'est pas la bonne. voilà, l'égalité, elle va se faire sur quelque chose de mauvais. Et là, les gens, si on fait le constat, ils sont écrasés bon, depuis longtemps. Il y a les contestations gilets jaunes, puis ce qui est en train de se passer. Tu sens que ça fait bien, un bien fou aux gens de venir, de discuter, d'échanger. Non pas de dire, Ouais, ah, c'est c'est bien, on ça. a échangé. Non, c'est pas du truc de bobo. Les gens échangent réellement, redeviennent des êtres humains, parlent et se font du bien. Franchement, ils se font du bien. Ils gueulent, ils extériorisent, tout ça. Ça changera pas, ça, bien sûr, mais il y a ce besoin. Donc, ça se constitue. On voit qu'il y a un noyau qui est en train de se constituer, un noyau ferme. Ça va, tu parles de jeux vidéo. Ça me fait penser à un jeu vidéo, justement, où c'était. Je crois, c'est un jeu vidéo japonais où c'est une espèce de boule au début qui ramasse même, il devient de plus en plus géante, comme un effet boule de neige, elle ramasse. Ben c'est ça, la manif. Tu sais, tu circules dans les rues, au départ, on n'est pas beaucoup, et puis après, les gens viennent se greffer, et puis ils se disent peut-être, pourquoi pas, allez, allons-y. Il y en a qui sont hésitants encore, et ils viennent, et puis tu te retrouves, on démarre, on est peut-être, allez, 500, 800 à Rouen, puis on finit à 6, 7 000 facilement. Donc, et les gens sont contents d'être là. Donc, on est en train de retrouver cette France. On fait une unité qui va pouvoir nous permettre ensuite d'aller plus loin. Et je l'espère, ce point de rupture va arriver incessamment sous peu, va pouvoir se faire. Donc c'est comme ça. Donc elles vont être bénéfiques, même si on sait, oui, c'est pas que des manifestations qu'on va changer. On le sait depuis longtemps. Mais il y a eu, si on peut prendre comme exemple les 3 premiers actes des Gilets jaunes, notamment lorsque la place de l'Étoile a été dépavée. Que la police, je ne suis pas anti-flic, parce que j'ai beaucoup d'amis policiers, qui se sont retrouvés acculés sur l'Arc de Triomphe, se sont fait jeter des pavés. Je sais que l'exécutif a vraiment tremblé dans ses 3 premiers actes. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça s'est vu de toute façon. Juste, il faut Ça faire s'est vu. attention, c'est virer tous ces salopards qui viennent tenter de reprendre les manifestations. On ne va pas les citer, on sait très bien de qui on parle. Et puis, Ah ouais. d'en bas ou d'en haut, hein. Qui viennent foutre le bazar ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Là, il va falloir, soit on fait des équipes, mais on s'organise, et puis qu'on soit solidaire là-dessus. Et puis on va y arriver. Moi, je suis comme toi, je suis pessimiste. Je suis optimiste, pardon. Je suis pas pessimiste, c'est des conneries. Oui, je voulais te parler aussi de ta rencontre avec Sylvain Durin. Donc Sylvain Durin, qui a les éditions, j'ai un marque-page, le Verbeau. Le sang du père, ce genre de livre, où il y a aussi les séquences politiques de la paix de Bainville qui avaient été préfacées par Pierre Hillard et qu'on avait reçu notamment, enfin, tous les deux même sont venus sur la chaîne. Comment ça s'est fait, votre rencontre? Il me semble, j'avais déjà expliqué à une époque, en fait, Sylvain Durin, je le suivais sur Internet depuis quelques années, notamment, en fait, je l'ai connu parce qu'à l'époque, il avait fait un reportage sur la figure du père au cinéma, justement, que j'avais trouvé intéressant. Donc, c'était il y a quelques années maintenant. Il me semble que c'était le premier truc qu'il avait sorti. Et Du milieu donc, je le suis. cinématographique à la base. Pardon? Il vient du milieu cinématographique à la base. Oui, c'est ça. Et donc je le suivais comme ça de loin. Et à un moment, je sais plus, j'avais regardé un truc sur lui et tout. Et en fait, j'avais vu qu'il venait de monter sa maison d'édition. Et donc je le connaissais pas personnellement. Je connaissais un peu ce qu'il faisait.
Mais j'ai regardé un peu parce que, en fait, c'est bête, mais quand on veut faire éditer un livre, il y a quelque chose de très important aussi, c'est la ligne éditoriale. Moi, j'ai fait exprès de ne pas envoyer mes livres dans une grande maison d'édition, ou peut-être j'aurais été pris, je ne sais pas, parce que j'avais pas envie, en fait, qu'il y ait un commissaire politique qui me dise, écris comme ci, écris comme ça. Moi, soit je suis libre, soit je ne publie pas, quoi, je fais ce que je veux. Avec une certaine réserve, mais bon, si c'est pour quelqu'un qui me dise page 120, il faut changer ça et tout, ça va m'énerver. Je me connais, donc je préfère pas perdre le temps. Et du coup, à l'époque, c'était Fisson, le premier manuscrit. Je crois que je ne l'ai même pas envoyé, ou peut-être à une maison d'édition. Après, j'étais en mode, bon, je l'avais gardé dans un coin comme ça. Et là, je me suis dit, ah ben, peut-être ça correspondra à donc les éditions du Verbeo. À l'époque, ça avait été créé depuis 6 mois, un truc comme ça, c'était vraiment récent. Et en fait, j'avais en tête cette idée d'être édité chez une petite ou moyenne maison d'édition parce que je préfère, c'est plus artisanal et on est moins, comment dire, noyé dans la masse et il y a plus un côté partenariat entre l'éditeur et l'auteur qui était quelque chose qui m'intéressait plus. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, ça peut être sympa, j'ai regardé un petit peu. La ligne éditoriale des éditions du Verbeau, ce qu'ils faisaient et tout, je trouvais ça intéressant. Du coup, un peu, j'ai repris donc Fiston que j'avais écrit il y a quelques années, je l'ai relu, je l'ai réécrit un petit peu parce que il datait un peu et puis il y avait des trucs que je trouvais un petit peu limite en termes de maturité parce que j'ai grandi depuis. Et du coup, je l'ai envoyé comme ça en mode bon, ben, on verra bien. Et normalement, pour se faire éditer, c'est un peu une galère quand on envoie des manuscrits, on envoie 15 000, il faut attendre 3 à 6 mois pour avoir une Oui, réponse. j'en ai reçu. Moi, mon premier roman a été édité il y a 1 an et demi. J'ai reçu une réponse d'un éditeur il y a quelques jours et j'avais envoyé il y a 3 ans, je crois, pour te dire. Ah ouais, c'est ça. Après, on oublie carrément, on oublie des trucs et on reçoit un mail en mode, mais c'est qui ce mec, quoi? Et donc là, j'ai reçu une réponse assez rapide et positive, et j'étais en mode ah bah parfait et tout. Et du coup, de fil en aiguille, Fiston a été édité, tout ça. Donc moi, j'étais assez fier et content parce qu'en plus, ouais, il n'y avait pas trop de livres édités. C'était un roman en plus, donc j'étais pas sûr que ça colle vraiment à la base avec ce que Sylvain Durin voulait éditer, mais en fait, si. Et le hasard des choses a fait que. En fait, dans Fiston, donc je l'avais écrit il y a longtemps, donc avant en fait de connaître Sylvain Durin, tout ça, où c'était vraiment une coïncidence. En fait, dans Fiston et plus tard dans AFK, je parle, il y a un des thèmes importants qui est la mort, dans tous les sens du terme, de la figure paternelle. En fait, Sylvain Durin, lui, c'était ses premiers travaux, il en a parlé d'abord dans le cinéma, après dans d'autres choses. Avec dans ses livres, notamment le dernier, Ce sang qui nous lie. Et moi, en fait, j'en parle indirectement dans mes romans. Et en fait, du coup, ça a correspondu parfaitement avec ce dont il parlait. Donc voilà, la Providence fait bien les choses. Et après, voilà, un livre, ça prend un certain temps à être édité. Est-ce qu'il y a les corrections, tout ça, la couverture, ça prend du temps. Mais voilà, et après, j'ai été édité. Le livre a dû être publié quelques mois plus tard, quoi. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de tes influences et puis de tes auteurs favoris. Si, tu sais, je pose toujours cette question à mes invités, c'est 3 livres, même plus, hein, si tu souhaites. 3 livres qui t'ont vraiment transcendé, qui sont des chefs-d'œuvre absolus pour toi. Hein. Je parle d'un livre subjectif, il ne faut pas avoir honte de dire si tu considères ça comme un chef-d'œuvre. Certains livres, je les considère comme des chefs-d'œuvre, on dira bon, certains, ça reste subjectif. Ça, la magie de la littérature aussi. Voilà, qu'est-ce sont-ils? Moi, un des livres, je pense, dans ma vie qui m'a mis le plus une claque, c'est La Divine Comédie de Dante, que j'ai lu il y a quelques années. C'est pas évident, hein, quand même, hein. Ouais, c'est ça. Parce que Mais tu as des vraiment, chants, ça m'a des marqué. poèmes. Ouais, après, en plus, je l'avais lu dans un contexte. J'étais un peu au fin fond de la Bretagne, dans quelques semaines un peu à la campagne. Donc, en fait, ça allait bien, quoi. C'est pas un truc que j'aurais lu en plein centre-ville et tout. Mais du coup, ouais, ça allait bien avec ma lecture du moment. Et ouais, j'ai vraiment adoré, quoi. Ça m'a mis vraiment, vraiment une claque.
Et surtout pour le côté, en fait, moi je suis quelqu'un de très très visuel en fait dans mon imaginaire, et je trouve que la Divine Comédie c'est assez visuel, et surtout quand on le couple avec par exemple les gravures de Gustave Gustave Doré. Doré, que vraiment J'ai est quelqu'un que j'adore. une édition originale du bouquin. Oui, ouais, C'est un livre j'avais vu. immense. C'est Ah, sublime. mais c'est magnifique quoi. Et ouais, les gravures de Gustave Doré sur la Divine Comédie, pour moi c'est le plus beau Exceptionnel. truc. Ah, c'est magnifique. Et du coup, la Divine Comédie, ouais, ça m'a vraiment beaucoup marqué sur le plan imaginaire, on va dire métaphysique, tout ça. Après, bah, comme je disais, en termes de style, ouais, j'avais lu coup sur coup Le Désespéré de Léon Blois et Voyage au bout de la nuit. Et pareil, ça m'a vraiment marqué. Moi qui suis un grand amateur de notre belle langue qu'est la langue française. Je croyais m'y connaître un peu en vocabulaire, mais là, j'ai compris que, en fait, non. Blois, c'est exceptionnel. Ouais, Blois, c'est. D'ailleurs, après, je lirai un bout de texte là, où Léon Blois parlait de. Parce que justement, bah, je rebondis sur. Je l'ai pas là, mais il n'y a pas longtemps, j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai enfin lu. Les chants de Maldoror de mince, comment il s'appelle, Loré Amont, que j'ai vraiment adoré. Pareil, c'est vraiment un imaginaire très particulier et tout, mais c'est, enfin, je sais pas, je trouve ce gars-là avait vraiment une imagination particulière. On sent que beaucoup de gens ont essayé de l'imiter et qu'en fait ça a complètement foiré. C'était vraiment nul, mais lui, il avait vraiment un style particulier. Et comme j'ai acheté ses œuvres complètes, dans ses œuvres complètes, à un moment, il y avait un texte qui s'appelle Le Cabanon de Prométhée, qui est un texte de Léon Blois, où en fait il fait un peu l'éloge comme ça des chants de Maldoror. Et je vais juste lire un passage, parce que ça m'a beaucoup marqué quand j'ai écrit AFK justement par rapport à la mélancolie. Léon Blois, du coup, il dit: les imaginations mélancoliques ont toujours adoré les ruines, les employés de la tristesse et les comptables de la douleur ont à peine, quelquefois, d'autres domiciles pour se repaître, pour se propager et pour s'assoupir. Et ouais, j'adore cette phrase. Et ouais, ça, par exemple, ça m'a beaucoup influencé quand j'ai écrit Léon Blois, enfin, quand j'ai écrit AFK, pardon. Notamment, ouais, les imaginations mélancoliques ont toujours adoré les ruines. Je trouve que c'est vraiment une phrase qui en dit long. Et du coup, les chants de Maldoror, ouais, c'est ça. En ce moment, je lis un peu plus de poésie, et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué, ouais. Les chants de Maldoror. Après, là, j'ai deux autres livres. J'ai essayé, bon, de changer un peu. J'avais pas parlé de Louis-Ferdinand Céline pendant 1 heure. Du coup, là, j'ai pris Requiem des Innocents de Louis Calafert, que j'ai lu il y a, je sais pas, 6 mois peut-être, que j'ai vraiment adoré. En fait, ouais, j'avais lu Septentrion de Calafert, qui est un peu son plus connu. Et Requiem des Innocents, c'est un peu un contre, c'est un peu des contre-souvenirs d'enfance de, comment il s'appelle, Marcel Pagnol. C'est un peu le même genre de truc où c'est Louis Calafert qui raconte un peu son histoire, enfin. Ça survit un peu dans un ghetto, je crois, en région parisienne, où ils vivent entre immigrés. Je sais plus, il y a des Italiens, Portugais, espagnol. ouais, des Juifs, un Hongrois. Enfin, et puis c'est vachement bien écrit, et c'est assez marrant. On sent le côté, ouais, très populaire. Ça m'a beaucoup fait penser à la France un peu à l'ancienne, même des films comme Jour de fête de Jacques Tati, ça me faisait penser un peu à ça. Et ouais, j'aimais beaucoup les enfin, c'est au-delà du fait que c'est bien écrit, en fait, on sent j'aime bien l'innocence dont ça parle. On sent que l'auteur, quand il raconte ses souvenirs un peu d'enfance, il regarde avec un œil attendrissant cette époque, justement, quand il était gamin, il faisait des conneries et tout, mais c'était jamais méchant, mais il y avait toujours ce côté, ils essayaient toujours de gratter de l'argent à leurs parents pour acheter des bonbons, des machins. Mais des fois, il y a des anecdotes improbables où à un moment, il y a un de leurs copains qui tient une espèce de bazar, enfin un petit magasin où ils vendent tout et n'importe quoi.
Et genre, il lui vole des trucs pour après lui revendre le lendemain pour s'acheter des churros ou je sais pas quoi. Enfin, c'est assez marrant, quoi. Mais j'ai bien aimé, ouais, Requiem des Innocents. Et après, ouais, j'ai pris un truc un peu plus récent, du coup, ouais, par rapport au style plus pamphlétaire. C'est Marc Obregon contre les enfants du millénaire. Donc, c'est, ouais, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un petit livre un peu. Ouais, style un peu pamphlétaire avec des petits textes un peu à la Félix Niche et avec un côté ouais, ben un peu célinien et qui parle, le sous-titre c'est Chronique d'une chute perpétuelle. Et ouais, ça part justement de par le biais de petits textes de ouais, cette humanité qui est en train de plonger comme ça dans l'abîme, dans le gouffre et bah, qui s'arrête pas, quoi, tout simplement. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le style et les sujets que ça aborde, puisque c'est quelque chose. Enfin, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça parle vraiment de notre époque. Et c'est tout ce que les gens sont en train de réaliser bah, maintenant, où ils en ont marre de cette vie-là et ils se révoltent. Parce que je pense que le pass sanitaire, c'est comme à l'époque des gilets jaunes, quoi. En fait, c'est un déclencheur, mais le malaise est beaucoup plus profond et. Ça fait des années que les gens sont pas bien dans leur vie et au fond ont envie de changer, quoi. C'est juste un déclencheur, quoi. Voilà. Tu as un troisième roman dans les cartons prévus? Oui, ouais, bah, moi j'écris Voire tout le même temps, donc. un essai ou même un pamphlet, hein, ça peut être. Oui, en fait, j'ai des projets d'essais de pamphlets, j'ai déjà des titres et des ébauches, mais ça sera sur le plus long terme. Comme je disais, j'attends d'avoir un petit peu roulé ma bosse et d'avoir beaucoup lu. Parce que j'aime pas trop écrire des conneries, donc j'aime bien quand on sort du roman et du cadre, on va dire, où on invente une histoire, quand on parle d'un sujet précis, j'aime bien m'y connaître un minimum. Donc là, j'ai pas la prétention d'avoir le bagage intellectuel pour. Ça viendra, mais du coup, je m'entraîne un peu avec des romans. Mais ouais, je pense, ouais, peut-être des plans faits, des essais, à mon avis, il faudra attendre 3-4 ans, je pense. Mais ouais, j'ai un roman. Je continue là, je continue à bombarder. Hein. Après FK, quand FK est sorti, j'avais déjà commencé à écrire la suite. Enfin, la suite, c'est pas la suite, mais le prochain roman. Et ouais, là, j'en suis au début, mais j'ai déjà le titre, le début, la fin, la structure du livre. Et ouais, j'ai déjà dû écrire peut-être 30 pages, mais. Après, les gens, des fois, comprennent pas, bah, toi, tu le sais, mais ceux qui écrivent comprennent pas, des fois, que écrire, ça prend vraiment du temps. Et surtout, quand on veut bien écrire et qu'on veut que ça soit, qu'il n'y ait pas trop de superflu, tout ça, des fois, un paragraphe, on va le réécrire 20, 30, 40 fois même, quoi. Donc, oui, c'est vrai, on a besoin de laisser maturer aussi un texte, c'est important. J'avais annoncé que je sortais mon nouveau roman fin 2020. Enfin, c'était possible à l'écriture, mais j'ai préféré le laisser À décanter maturer, un peu. à décanter. Puis, des fois, tu sais, t'es à fond dans une chose, et puis tu reviens un mois, 2 mois après, tu dis, c'est pas bon, c'est pas ça, quoi. Donc, C'est ça ça. dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es au moment où tu écris. Puis c'est pas toujours facile si t'as pas la pêche, t'as pas le moral, tu peux pas écrire comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça sert à rien d'écrire pour écrire, quoi. Mieux vaut attendre l'inspiration. Si t'as pas l'inspi, t'écris pas, c'est pas grave. Ouais. Et après, ouais, aussi, les relectures, ça prend beaucoup de temps, mine de rien, de relire un livre une fois, deux Puis fois, trois fois. on voit pas forcément aussi ses fautes. Des fois, il y a Ah oui, des ça, coquilles, clairement. des aberrations, tu te Clairement. dis. Ça m'est arrivé, hein, un même mot que j'ai écrit 5 fois dans le roman, puis je m'aperçois après, en fait, j'ai écrit 3 fois correctement et 2 fois pas correctement. Pourquoi? Ouais, moi, ça m'étonne pas, parce que moi, c'est pareil. En fait, quand tu lis ton truc, tu te plonges dans l'histoire et tu vas plus faire attention à l'histoire en soi, mais tu vas pas faire gaffe aux fautes d'orthographe et tout. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire relire par d'autres gens, parce que sinon, Ouais, ouais, comme tu dis, tu peux passer 5 fois devant la même faute sans faire Et attention. puis on a beaucoup perdu, hein. Tu sais que ça soit de ma génération, même avant, c'est vrai Ah qu'on ouais, c'est clair en orthographe. voit que Moi, je suis l'enseignement nul. à l'école nous a pas fait du tout du bien. Quand tu vois les anciens savaient écrire, même avec peu d'instructions, ça leur sautait aux yeux. Prends Oui, l'exemple de Marcel ben. Aimé. Marcel Aimé, j'ai vu une biographie récemment sur lui. Marcel Aimé, donc je sais pas si tu l'as lu. Bon, j'adore ce que fait Clairement. Marcel Aimé.
C'est truculent, c'est drôle, c'est très français. Hein. Tu sais, la traversée de Paris, par exemple, c'était une Ah nouvelle dans le vin de oui. Paris. Tu avais le passe-muraille, le bœuf clandestin, puis bon, j'en passe, la jument verte, bref. Et il a envoyé ses. Enfin, faut pas croire, il a envoyé ses manuscrits à Gallimard, mais c'était truffé de fautes. Hein. Et c'était écrit, et lui, il s'en fichait, il disait, allez, hop, ils vont corriger Ouais, c'est pas derrière, et moi qui c'était comme ça. corrige. Bon, enfin, c'était Marcel Aimé aussi, il pouvait se le permettre, mais oui, mais faut dire que ça arrive au plus grand aussi. Hein, faut pas Oui, croire c'est ça. qu'il y a une science infuse de comment dire, de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe. C'est pas évident, c'est pas évident. Puis bon, là, la meilleure formation, c'est la lecture. Je vois pas autre Ah oui, chose. clairement. Ça, c'est vrai que c'est important de Celui qui pour a pas lu apprendre une faute, ses. de lire 15 fois le même mot écrit différemment, ça rentre plus dans la tête. Oui. Puis pour du roman, je pense que quelqu'un qui doit avoir lu beaucoup, avoir lu ses classiques, ses formateurs. Je ne vois pas les jeunes romanciers à l'heure actuelle qui se lancent, qui ont quasiment rien lu en vérité, ou ce qui se fait de plus récent. Tu vois que c'est assez plat, c'est soit une espèce de Houellebecq de bas étage ou autre chose, Ouais, c'est raconté. sûr que si tu lis du, je sais pas, du Lévy ou du Stephen King et c'est ton seul, ta seule référence, bon, c'est pas comme ça. Je pense que que tu auras de l'épaisseur à ton texte, quoi. Même ne serait-ce que dans le vocabulaire, en fait. C'est pas assez varié, quoi. Non, et puis on est trop dans le drama, tu sais, faut écrire ton malheur, tu t'es fait violer par tes parents, ou, enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Il n'y a pas une écriture positive aujourd'hui. Moi, j'ai Ouais, c'est essayé ça, c'est ça. de faire revivre cette écriture modestement, hein, à mon échelle, dans mon premier roman et aussi dans le second, de retrouver cette fibre, tu sais, où on avait de la gouaille, on savait rigoler, puis il y avait ce Ouais, un franc-parler. peu second degré, l'humour Voilà, aussi, tu vois, de ça se l'humour perd. français, quelque chose de positif. Moi, c'est ma Ouais, façon c'est d'écrire. ça. J'ai pas envie d'écrire quelque chose qui est trop noir. Et puis, on me l'avait dit, on m'a dit, écris pas quelque chose de noir. Surtout, écris quelque chose qui fait rire. Ben, on essaye, c'est pas évident. Hein. Mais c'est ça. Ah, moi, c'est un truc qui m'insupporte. C'est ce que j'appelle la littérature ouin-ouin, tu vois. C'est les mecs qui écrivent Regardez, ma vie est dure, donnez-moi des likes et achetez mes livres. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. C'est marrant 5 minutes, mais bon, de là à écrire 10 livres sur le fait que tu t'es cassé un doigt, je sais pas. Je suis pas sûr. À mon avis, ça va pas marquer grand monde. Non, ça va pas marquer. Mais par exemple, mes livres Fiston et AFK sont un peu tristes. Mais d'un autre côté, j'essaie de rajouter une touche d'humour et tout. Et en fait, c'est fait pour faire réfléchir un peu les gens, quoi. C'est pas écrit pour que les gens disent et mettent la main sur l'épaule en mode ah, je suis désolé, t'as une vie dure et tout. Non, c'est pas ça. Alors qu'il y en a qui font ça alors qu'ils ont voilà, ils ont rien vécu, quoi. Quand on voit des petits Parisiens qui sont jamais sortis de Saint-Germain-des-Prés et qui écrivent à 25 ans, des trucs comme si ça avait été des aventuriers qui ont une vie super dure. Je sais pas. Ça manque de vécu, en fait. Ça Ouais, manque ça de manque vécu. d'authenticité. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des sujets que j'aborde pas parce que je me sens pas légitime et justement, j'ai pas envie d'être ce genre d'écrivain, quoi. Non, puis tout comme toi, c'est pareil, je préfère être à une maison d'édition à taille humaine, non pas de dire Ouais, oui, c'est ça. c'est un aveu d'échec, pas du tout, je vois pas comme ça, c'est que Non, au déjà, contraire. la ligne éditoriale qui s'impose aujourd'hui dans la majeure partie des maisons d'édition n'ont rien à voir avec ce que je vais écrire. Est-ce que toi tu vas écrire aussi? Et ce qui va faire que d'emblée c'est perdu. Peut-être il y a 50, 60, 80 ans ça aurait marché, possiblement, quoique c'est plus faible par rapport à ce qui a pu être écrit à des personnes de cette époque-là. Mais je parle pour moi. Hein. Je préfère déjà, peut-être j'ai plus de chance aussi, mais aussi c'est parce qu'on essaie de rebâtir. Enfin, il y a une logique, on essaie de rebâtir quelque chose chacun de notre côté, et puis on met notre petite pierre, chacun notre petite marque, et on essaie de faire revivre cet esprit français. On sait qu'on ne le fera pas vivre chez Gallimard aujourd'hui, absolument pas, ni chez Plon, ni chez qui que ce soit. Ouais, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est devenu un petit peu des vendeurs de papier plus qu'autre chose. L'industrie du livre, maintenant, il publie, enfin, je sais pas, il publie 10 fois plus de livres qu'avant. Du coup, il y a vraiment un règne de la quantité avec, pour ceux qui connaissent, les retours, le pilon, tout ça. Enfin,
Le C'est, en film. fait, il y a une espèce de fuite en avant. C'est comme dans le monde de la BD, quoi. On édite de plus en plus, de plus en plus. Le marché, entre guillemets, du livre est surchargé. Et ouais, t'es en tête de gondole un mois, c'est super. Mais après, tes livres, ils sont balancés au pilon et plus personne n'entend parler de toi, quoi. Comme toutes les autres C'est un système marchandises. qui est en bout de course, quoi. C'est comme, bah c'est la marchandise, ce qu'elle est, tu sais, c'est comme Alibaba, on va produire encore plus, baisser le prix encore plus, le mettre en avant encore plus, pour en vendre tenter d'en vendre un maximum, mais en fait, tu vas te retrouver sur les bras un paquet de marchandises qu'il va falloir balancer, et puis c'est comme ça. D'où le Ouais, c'est fait la qu'on règne de dit la bien que quantité, quoi. le capital ne peut pas se réifier, donc le capital va se mettre en jachère. Et détruit pour essayer d'ouvrir de nouveaux horizons, on va dire, pour se réifier, quoi. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais, bah c'est ce qu'on voit, hein, même avec toutes les entreprises et tout qui ferment. De toute façon, c'est la théorie du ruissellement des machins. Enfin, je sais pas comment il y a des gens qui croient encore à ça en 2021, hein, mais moi, j'ai même pas 30 ans, j'ai compris que c'est de la connerie, quoi. C'est le but des grosses du capital, c'est juste de détruire et d'annexer, quoi. C'est vraiment quelque chose de très guerrier, en fait. C'est pas du tout pacifique. Non. C'est la destruction, quoi. Non, puis on nous a volé nos vies, quoi, aussi. Mais bon, aussi, c'est un Ouais, peu c'est de notre ça. faute. On sait que Oui, nous, bien on sûr, s'est éloigné du après, divin. Tant que tu t'éloignes du divin, si. ou c'est voilà, on va payer. Quelque part, ces épreuves, on les mérite plus ou moins. Oui, c'est ça. Après, comme on dit, le mal n'a besoin que de l'inaction du bien pour avancer, quoi. Donc, après, c'est sûr que c'est pas. Enfin, en fait, je pense que c'est aussi une. On a tous été matrixés par l'école républicaine, les droits de l'homme, tout ça, mais en réalité, en faisant rien, le monde va toujours vers le mal, quoi. Si on fait rien, ça finit rarement bien comme ça par magie, quoi. Les gens qui. C'est parce que des gens ont créé des lois, des gens ont créé certaines morales que les choses vont vers le bien, quoi. Il n'y a pas besoin de loi pour dire allez tuer des gens, c'est bien, quoi. Parce que les gens, naturellement, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais vont naturellement vers le mal, quoi. C'est comme ça. Faut pas être naïf là-dessus. On l'a tous été un jour, je pense, mais on voit ce que ça nous coûte aujourd'hui, quoi. C'est D'être ça. naïf et de croire que voilà, ce que tu vas te faire vacciner, tu seras libre. Ben, en fait, non, au final, c'est 3 doses. Après, au final, ce sera 75 doses, quoi. Voilà, l'infini. Et tous les 6 mois, il y aura une nouvelle douille, quoi. Parce que ce qu'on voit en ce moment avec le pass sanitaire, c'est qu'un le vaccin ou même le Covid, c'est qu'un prétexte. Si ça ne serait pas ça, ils ont la carte face cachée. Réchauffement climatique, ou sinon ils vont nous sortir, ouais, non, ils vont nous ressortir un attentat de je sais pas où. Ils ont toujours un truc, il y aura toujours un plan B de toute façon. C'est qu'un prétexte. Sur ces bonnes paroles. Donc, Fiston AFK, Antoine Bonnet, éditions Le Verbeau. Je crois que tous les deux sont à 15 euros maintenant, c'est ça? C'est ça, ouais. Unitaire, D'ailleurs, je 15 euros. crois. J'en profite avant d'oublier. Du coup, ils sont disponibles à la librairie française et à la nouvelle librairie à Paris, à Nancy, à la librairie Les Deux Cités, ou sinon sur Internet, sur le site de la maison d'édition, sur Les Deux Cités aussi, parce qu'on peut acheter par Internet, sur différents diffuseurs comme Chiré, tout ça. Et normalement, selon ce qui se passe dans les mois qui arrivent, normalement, je serai en dédicace aux journées Chouane à la rentrée et le 18 septembre à la librairie française. Voilà. D'accord, note bien. Un jour de manif, ce sera C'est un ça. samedi. Je pourrais faire les deux en même temps, selon Voilà. l'heure. Je vais mettre tout ça en lien de toute façon dans la description. Donc, toute personne qui souhaite, je vous encourage vraiment à aller lire Antoine. Vraiment, ce sont des bons romans. Et puis, ça fait partie de nos espoirs littéraires. Je souhaite de tout cœur une longue carrière dedans et Merci continuer à toi. à développer cela. Et puis la cohérence avec le travail de Sylvain aussi qui est important. Oui, je vous encourage à vous les procurer. C'est important. Il suffit pas de regarder que les vidéos parce que c'est vrai que beaucoup de gens
regarde les vidéos et puis après se rendormir. Non, c'est important de le dire. C'est pas la même chose une vidéo et un bouquin. Ça, on Surtout là, retient beaucoup vraiment, mieux en lisant, ouais. on n'a pas parlé de l'intrigue, rien du tout. On n'a pas développé. C'est volontaire de ma part de toute façon parce que c'est du roman. Allez-y. N'hésitez pas. Je mets tout ça en lien. Procurez-vous-les. Et puis, la chaîne, comme je le dis souvent, a la vocation de donner goût à la lecture, car la littérature, l'écriture est un pan de la culture française. Il faut pas le négliger. Voilà pour cette émission. Merci à toi, Antoine. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, ça m'a fait très plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Et puis, ne lâchons rien, toujours en manifestation, et puis voir plus loin par la suite. Je vous dis tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir.